deuxième, ça veut dire que le podium pour lui n'est pas du tout assuré parce qu'il reste à passer cet homme évidemment, Florent Amodio et puis Shafik Besseguié tout à l'heure. L'heure du verdict, l'heure de vérité. Et l'heure de la couleur, parce que là on a quitté les tenues noires précédentes pour vraiment du flashy avec Florent Amodio. Florent n'a jamais rien fait comme les autres et ça fait du bien dans ce monde du patinage. What I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Florent Amodio qui malheureusement ne déclenche pas le quadruple. Alors on pourra lui demander tout à l'heure si. Alors on s'est regardé si avec c'était Fred en fait. Volontaire ou pas, mais le reste du programme, un beau triple axel, combinaison triple double seulement, il ne déclenche pas le triple boucle piqué derrière le Lutz. On le sait ici pour se redonner conscience, remettre le moral au beau fixe pour préparer les futures échéances. Et oui, Florent Amodio, triple champion de France en titre, qui vise une possible passe de 4 pour l'instant. Pour l'instant, c'est Romain Ponsard qui est en tête devant Simon Oko avec 62 et 60 points respectivement. Le c'est parti vite prouve bien qu'il voulait faire un quadruple et qu'il n'a pas pu le déclencher. Il paraît plutôt satisfait. À la maison, papa, maman, Sophia, toute la famille. Gros bisous et merci. Et en t'entendant, Florent, en t'entendant, passer le petit message personnel. Il a un patinage très personnel du reste, hein, Frédéric. On le voit sur toute la fin de programme. Il est libéré. Il est plus sur des contraintes techniques comme ici sur ce Salco. Et oui, effectivement, on voit ne pas déclencher le quatrième tour. Le triple axel est vraiment bien. Sunshine, she's here. You can take a break. Et là, c'est aussi, c'est pareil, c'est vraiment un manque de confiance.
Il n'y a aucune raison de ne pas aller sur le triple boucle piqué derrière ce, ce triple Lutz. Et puis voilà, là où il excelle, les petits pas. S'amuser avec le public, se faire plaisir. La dentelle à poids aujourd'hui, en l'occurrence. C'est pas la première fois qu'il porte cette tenue. Depuis le début de la saison et ce programme, effectivement, il a ce, cette tenue. Florent Amodio qui était l'avant-dernier à passer dans ce programme court ce soir. 78-36, il prend la tête et doit patienter évidemment Florent maintenant pour voir le passage à Chafik Bességué. Est-ce que Frédéric, c'est un bon score néanmoins? C'est un score honorable, mais pour